ben, voilà, vous l'avez compris, nous sommes en direct de la 64e édition du Festival d'Aix-en-Provence, ici pour les Noces de Figaro de Mozart. Une soirée en partenariat avec Radio Classique. Mise en scène, Richard Brunel et Jérémy Rohrer à la tête du Cercle de l'Harmonie avec le Chœur des Arts Florissants sur la scène. Et nous sommes avec le metteur en scène, Richard Brunel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous devez tout de suite m'enlever un doute parce que vous avez un costume qui est gris, un peu dans les tonalités de ce qu'on voit au tout début dans le premier acte. Ça ne vous aura pas échappé, donc. Un peu à la manière d'Hitchcock, c'est vous qu'on voit au tout début ? Oui, oui, je joue un petit peu pour donner de l'énergie, pour être avec les chanteurs, et pour participer à l'aventure, absolument. Voilà, et après, vous apparaissez dans le public. Voilà. Vous gardez le même costume. Et je prends des notes pour la suite du travail. Bon, est-ce que le metteur en scène est content ? Oh, le metteur en scène est toujours... Non, il est très content, oui, absolument. Je prends plein de notes. À chaque jour, c'est différent. Chaque instant, il y a des choses à faire évoluer, d'autres à conforter. Voilà, c'est un vrai plaisir de suivre le travail. Et puis surtout d'avoir des chanteurs qui sont extrêmement réactifs, extrêmement preneurs de retour, et de manière à ce que jamais les choses ne se figent et qu'on soit toujours dans un travail, dans un mouvement. Alors, il y a beaucoup de jeux, de divertissement, de libertinage, de moralité qui n'est pas également répartie selon les personnages, ça c'est à peu près clair. Alors, en quelques mots, pour les téléspectateurs d'Arte, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est votre conception, tout simplement, de cette œuvre-là, de cet univers et de cette adaptation ? Richard. Tout d'abord, c'est une conception que je partage avec une dramaturge, avec une scénographe, éclairagiste, un assistant, un costumier, etc. C'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est une conception qui part de l'idée que dans un monde... D'abord, le mot justice est très présent dans le texte de Mozart et de Da Ponte. Et donc, l'univers de la justice était pour moi une chose importante. Donc, ce cabinet... d'officier de justice, je ne sais pas comment dire, d'huissier, d'avocat, de magistrat. De maire aussi, bon, on va le verra plus tard. Voilà. Oui, enfin, d'homme de pouvoir, d'homme de loi, et en fait, un peu au cœur, et vraiment au cœur du projet. Et ensuite, de voir comment ce mot-là circule et comment ces personnages-là, comment la justice est portée par chacun des personnages. Alors, vous parliez de justice. Est-ce que vous pourriez vous adresser aux téléspectateurs et leur dire, voilà, comment vous vous dépêtrez-vous, Richard Brunel, pour ces incursions d'éléments un petit peu dramatiques? Parce qu'on a quand même une comtesse qui est réellement enceinte, vous l'avez vu. Absolument. Et le comte, son mari, n'hésite pas à braquer carrément un fusil sur elle. Et ça fait partie des éléments qui sont un petit peu dramatiques, de la même manière de le bizutage du voile qui s'est pété, etc. Donc on sait que chez Mozart, il y a toujours ces éléments un petit peu dramatiques dans un contexte d'opéra comique. Est-ce que ça, c'est difficile ? Ben, c'est-à-dire, c'est utiliser des éléments, par exemple, le fusil, c'est comme chez Tchekhov, il est accroché au mur au premier acte, et puis au troisième acte, il va servir. Donc là, nous, on s'en sert au deuxième acte, mais il y a une menace, c'est-à-dire qu'au fond, la question de la chasse est présente dans le texte, et donc cet homme qui revient de la chasse, pourquoi il n'aurait pas un fusil et un chien ? Et le fusil devient un élément de chantage. Le comte veut absolument savoir, parce qu'il est, c'est presque, même je dirais, symboliquement, pulsionnellement, sexuellement, symbolique. Et de la même manière que son chien, cette scène, parce qu'on assiste quand même à la déroute possible d'un couple, le comte et la comtesse, et puis ce chien... Tout à fait, c'est une crise conjugale. Moi, j'ai beaucoup axé le travail avec mon équipe sur l'idée que ce comte et cette comtesse sont dans un moment de crise, et je crois que le fait que la chanteuse qui est enceinte, et donc le personnage qui est enceinte, peut être un élément de réponse à cette idée que un enfant qui arrive peut tout à fait déstabiliser un couple. Alors, je sais que vous êtes aussi dans le public, on vous voit prendre des notes, j'étais avec vous à côté de vous mardi soir. Le metteur en scène, qu'est-ce qu'il entend des réactions du public, alors que le public ne sait pas qu'il est à côté du metteur en scène? Moi, je suis très, je suis très réceptif, parce que je pense que le metteur en scène est un entremetteur entre celui qui est sur le plateau et celui qui est dans la salle, et j'observe comment la pièce travaille sur le public et comment le public comprend, réagit ou au contraire est ému, saisi par les différentes scènes. Alors ça me permet d'affiner ce que je demande aux chanteurs, d'affiner le travail de direction d'acteur chaque jour. Alors vous parliez, Richard, de caméra, j'en parlais au tout début dans mon prologue. Alors là, vous avez une caméra qui est là, et vous nous parliez de cela parce que dans votre mise en scène, je ne voudrais pas trahir vos propos, mais vous voulez que le public soit en quelque sorte le réalisateur de ce qu'il est en train de voir et qu'il y ait une caméra un petit peu nomade, mobile, qui se balade, d'où cette idée peut-être des décors mobiles.
Disons que en fait, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment un spectateur entre dans ce château, puisque c'est le mot qui est employé, mais là, bon, voilà, dans cette grande maison, et comment peu à peu on va de couloir en couloir, de pièce en pièce. Derrière une porte, il y a une autre pièce, on ouvre la porte, et puis le spectateur, comme la caméra, suit effectivement le mouvement du décor. Et le décor, vous allez le voir aussi dans le troisième et le quatrième acte, continue à se dévoiler, et jusqu'à un moment donné, à ce que les personnages perdent complètement leurs repères dans l'espace et dans cette maison. Donc ça, c'est assez intéressant, je crois, de permettre aux spectateurs et de suivre ces personnages qui sont perdus dans cette maison. Bon, en tout cas, il est très très bien dressé, ce chien. Est-ce qu'il était à l'heure aux répétitions? Oui, il était à l'heure aux répétitions. Ce soir, il a été. On a fait une petite mention spéciale parce que la dernière fois, il avait un peu trop aboyé. Non, c'est vraiment du spectacle vivant. Alors, c'est comme là tout de suite. On est en direct et. Bon, alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard Borunel. On vous laisse regagner la salle parce que l'entracte se prolonge encore une petite vingtaine de minutes. Le temps pour nous, avant d'accueillir Jérémy Rorer, le chef du Cercle de l'Harmonie, de voir un petit reportage qui va vous expliquer le pourquoi du contenu sulfureux des Noces de Figaro en 1786, de Beaumarchais à Mozart, du texte au son, la réponse en images. Il reste à Mozart 5 années à vivre quand il compose les Noces de Figaro. L'histoire de cet opéra commence à Paris avec La folle journée ou Le mariage de Figaro, la pièce de Beaumarchais sortie en 1784, après 6 ans de scandale et de censure. Le mariage de Figaro a fait scandale pour deux raisons. Un aspect qui est la veine libertine, érotique, disons. Puis le deuxième aspect, c'est l'aspect politique. Il y a des tirades évidemment sulfureuses d'un point de vue politique de Figaro à l'encontre du comte, hein, et qui forcément ne pouvait qu'être mal perçu à l'époque. Du coup, comme Louis XVI à Paris, l'empereur Joseph II, frère de Marie-Antoinette, censure la pièce à Vienne. On peut l'adapter, mais pas la jouer sur scène. Et cette odeur de soufre n'est sûrement pas pour rien dans le choix de Mozart. Ça l'avait intrigué, le triomphe qu'elle avait rencontré à Paris. Ça titillait aussi, vu ses problèmes avec sa hiérarchie, ça titillait un peu sa fibre révolutionnaire. Mozart compose quand même en secret, car il a obtenu que son opéra soit représenté à Londres ou Paris si l'empereur s'y oppose à Vienne. Mais Da Ponte, le librettiste qu'il a choisi, un personnage haut en couleur, joueur et libertin, va jouer un rôle essentiel. Da Ponte, avec son habileté diplomatique, va réussir à faire passer la pilule, c'est-à-dire à faire jouer cette œuvre qui était censément censurée, en disant qu'elle va être donnée en italien, puisque c'est un opéra en italien, et qu'il a fait subir certaines coupes choisies à la pièce de Beaumarchais. Mozart choisit donc l'italien pour faire passer en Autriche les mots les plus rugueux du propos de Beaumarchais. Nouvelle difficulté pour le compositeur, côté musique, il n'est pas vraiment attendu. Et Mozart n'était pas considéré comme un grand compositeur d'opéra à l'époque, malgré l'enlèvement au sérail. C'était plutôt, Joseph II considérait que c'était un homme plutôt de la musique instrumentale. Étonnamment, même Da Ponte, son librettiste, n'a que peu de considération pour lui. On voit que Mozart n'est peut-être pas le premier compositeur à ses yeux, le plus important. Il ne lui donne pas forcément les sujets les plus essentiels. Par exemple, quand il lui donne Don Giovanni, c'est à ses yeux un sujet plutôt éculé. Il va donner son meilleur livret davantage à Salieri ou à d'autres compositeurs d'époque. Pourtant, Mozart va prouver le contraire. Comme à son habitude, il utilise les codes en vigueur, cette fois l'opéra bouffa, pour les tordre à sa manière et innover. Par rapport aux traditions de l'époque, là, on dépassait en termes d'ambition, d'enjeux, d'idées, de personnages, d'intrigues, de complexité de l'intrigue, etc. Tout ce qui avait été fait à l'époque. C'est une œuvre aussi centrale, les Noces de Figaro, pour tout ce qu'elle amène, pour son développement orchestral, musical, le développement au niveau des voix, des ensembles. Voilà, c'est très complet, quoi. C'est très complexe aussi. Da Ponte va adoucir les flèches politiques que décoche Beaumarchais, mais les Noces restent détonnantes pour l'époque, remettant en cause les rapports hiérarchiques tant dans les relations amoureuses que sur le plan social. L'opéra de Mozart, d'ailleurs toute la trilogie Da Ponte est traversée par cette constante. C'est un rapport de meilleure compréhension de soi, de son fonctionnement sensible, émotionnel, amoureux, érotique, etc. pour finalement parvenir à une société peut-être plus harmonieuse, en meilleure connaissance d'elle-même, où chaque individu a sa place. Mozart exprime sa fibre maçonnique au siècle des Lumières. Mais contestataire, les Noces de Figaro sont-elles pour autant révolutionnaires? Les interprétations divergent suivant le degré de révolutionnarité, entre guillemets, de l'opéra. Sa musique n'est pas revendicative, elle n'est jamais revendicative, mais je pense qu'elle exprime la révolte que Mozart lui-même, même de par sa situation
musicien serviteur cherchant à s'émanciper, portait en lui-même. Mozart compose les noces en moins de 6 mois à l'ombre des cabales de Salieri menées contre lui. La première est finalement donnée le 1er mai 1786 au Burgtheater, le théâtre de la cour de Vienne, avec le meilleur casting de l'époque. C'est un triomphe, à tel point que le jour de la première, ils ont bissé quasiment tous les airs et que l'empereur a dû décret interdire de bisser certains airs le lendemain pour pas que ça dure trop longtemps. Les noces ne seront jouées que 9 fois à Vienne avant d'être reprises à Prague pour connaître un vrai succès populaire. Mozart écrit à son père que les gens sifflent ses airs dans la rue et il en est évidemment ravi. Eh bien oui, tout le monde siffle ses airs dans la rue et Mozart est bien content. Voilà, c'est ce que raconte la légende. Nous sommes avec Jérémy Rohrer, les chefs du Cercle de l'Harmonie. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, j'attends la seconde partie, mais je suis très heureux de ce qui vient de se passer. Alors vous êtes le médiateur entre le monde de la fosse et le monde de la scène. Vous dirigez 11 personnages sur scène. Vous dirigez à peu près 50 musiciens, je crois, ce soir, la formation c'est ça. Oui, c'est à peu près ça, oui. Est-ce que vous pourriez expliquer aux téléspectateurs d'Arte la jubilation que vous avez à diriger, pas forcément Mozart, mais des opéras de Mozart, Jérémy? La jubilation, elle vient du fait de la perfection de l'œuvre, c'est-à-dire que c'est une mécanique théâtrale des plus parfaites. Je pense qu'il y a très très peu d'équivalents. Toutes les scènes, toutes les atmosphères sont enchaînées, reliées les unes aux autres avec un naturel on ne peut plus clair. Et la psychologie des personnages est aussi elle-même très très articulée, très claire, et on se laisse embarquer finalement par l'énergie immanente de l'œuvre. Et ça, c'est un plaisir toujours renouvelé. Il y a des opéras comme Cosi par exemple qui sont beaucoup plus difficiles, dont la dramaturgie est beaucoup plus difficile à maîtriser. Il faut l'insuffler très souvent. Les noces, à partir du moment où on commence l'ouverture, on est vraiment emporté par le souffle théâtral. De la première à la dernière note, il n'y a vraiment pas un temps mort. Et toutes les variations d'atmosphère sont totalement justifiées et viennent toujours à point nommé. Alors on l'a vu dans le reportage justement, la force expressive des mélodies que compose Mozart, ça c'est clair. Les airs, les récitatifs avec un débit parfois limite, absolument hallucinant. Mais qu'en est-il de l'orchestration? Parce qu'on a presque l'impression que l'orchestre est un 12e personnage, un personnage à part en soi. Donc qu'en est-il du Absolument. Génie de Mozart là-dedans? Mais c'est pas spécifique aux Noces de Figaro, c'est le cas pratiquement dans tous les opéras de Mozart, en particulier depuis Idoménée. L'orchestre est toujours un personnage, l'orchestre est toujours la matrice des situations, de l'articulation des situations, des émotions et de la caractérisation psychologique des personnages. Beaucoup d'indications sont présentes dans les articulations de l'orchestre, la manière dont il joue forte, des accents, des pianos, des ruptures, des respirations, et puis tout simplement la motricité, la vie rythmique de l'orchestre qui insuffle le rythme naturel au théâtre et aux chanteurs sur scène. Avec des moments où vous ne dirigez pas, c'est précisément pendant les récitatifs où il y a le pianoforte qui est tout à droite. D'où une autre question, Jérémy. On s'était rencontrés il y a quelques années, vous me parliez de voile et peut-être de quelques points communs entre la direction d'orchestre et la voile. Est-ce que c'est vrai ? Oui, il y en a. Je pense qu'entre les deux, il y a cette obligation d'être concentré à chaque moment parce que la musique, finalement, comme les éléments, ne pardonne pas le moindre relâchement de l'attention. Et c'est vraiment ce qui unit le monde de l'opéra et le monde de la voile, je pense. Bon, eh ben merci beaucoup, Jérémy Rohrer. Je vous laisse retourner en loge parce que ça reprend dans à peu près 10 minutes. Un grand merci, Jérémy. Merci beaucoup. Alors, je me tourne à présent à ma gauche vers notre Figaro, qui est notre Figaro américain, Kyle Kettelsen. Happy to see you. Bonsoir, Kyle. Bonsoir, bonsoir. Alors, on vous a vu il y a 2 ans, pour ceux qui connaissent un petit peu le Festival d'Aix-en-Provence, dans le rôle de Leporello, mis en scène par Tcherniakov. C'était en 2010. Donc, vous revenez cette année. Alors, sur le personnage de Figaro, personnage quand même qui est un petit peu complexe, qui est à la fois très premier degré et puis extrêmement rusé. Qui est, pour vous, ce personnage de Figaro? Eh bien, c'est un peu moi quand j'étais plus jeune. Figaro se considère comme le plus intelligent dans la pièce. Il est très jeune, il est très jaloux, il est inquiet de l'amour du comte pour Suzanne, il devient très jaloux et il essaie de réfléchir aux moyens de se montrer plus malin que le comte. Figaro pense qu'il est le plus malin, le plus instinctif, mais c'est finalement, évidemment, Susanna qui l'emporte.
Michael Ketelsen. Bon, je le sais, j'ai un petit peu enquêté sur vous. Je sais qu'avant l'opéra, vous avez eu une autre vie et que peut-être que cette vie est liée à aujourd'hui. En quelques mots, vous avez fait partie des GI, vous étiez dans l'armée, vous avez servi l'armée. Est-ce que c'est là que vous avez découvert votre voix, voire même l'opéra, Kyle? J'ai chanté toute ma vie, en fait, depuis que j'étais tout petit. J'ai chanté pendant toute ma scolarité, et c'est amusant parce que je recherchais quelque chose que je pourrais étudier à l'université, et tout le monde me disait, n'étudie pas la musique, c'est trop difficile. Alors je suis resté très éloigné de la musique, j'ai essayé différentes directions pendant quelques années, et puis finalement je suis rentré dans la garde nationale, dans l'armée, pendant que je poursuivais mes études, donc pendant 6 ans, de 90 à 96, j'étais à la garde nationale. Et donc tous les mois, je faisais une partie de mon service et j'ai fait de la formation, comme on la voit dans les films. Et je poursuivais mon éducation. Et pendant cette période-là, je commençais à étudier et à travailler la voix pendant que je faisais mon service dans la garde nationale. Donc parfois, il y avait des conflits entre les deux vies. Mais en même temps, j'ai beaucoup appris de la discipline et de la souffrance qu'on m'apprenait à l'armée. Alors Kyle, dernière question sur ce qui va se passer pour vous dans le troisième et le quatrième acte. Alors en quelques mots, très rapidement, sans tout dire, hein, mais est-ce que ce n'est pas le syndrome de l'arroseur arrosé qui va se passer parce que Figaro est très sûr de lui au départ, et là, il va douter dans le troisième et le quatrième acte. Qu'est-ce qui va lui arriver en quelques mots? Oh, absolutely. Well, he has. Suzanne is too good at her trickery. So Suzanne est très maligne dans toutes ses ruses. Elle est très très futée. Et Figaro finalement croit que les choses vont dans un sens alors qu'en fait ça part dans l'autre sens. Et puis finalement tout le monde se retrouve au même endroit. Donc il est un petit peu le perdant dans cette relation avec Susanna. Il n'est pas le plus malin des deux. Et il faut qu'il ait absolument une foi absolue en elle. Pour merci réussir beaucoup, à s'en sortir. Kyle, 5 salades, 5 salades. Je vous laisse retourner, bien sûr, dans les loges. Et bonne deuxième partie, on se retrouve tout à l'heure. Merci Kyle. Merci beaucoup. Merci Kyle. Bonsoir. Alors voilà, on a enquêté, bien sûr. Vous imaginez qu'un opéra de Mozart, ça ne se monte pas en un mois, ça se monte en 3 ans. C'est le travail de Richard Brunel. 6 semaines de répétition, sans compter le travail en amont. Nous étions aux répétitions, les coulisses des Noces de Figaro. C'est maintenant, regardez bien. Deux semaines avant la première, Aix-en-Provence prépare discrètement son festival. Dans la cour de l'archevêché, une quarantaine de personnes s'affairent pour régler les derniers détails. Bonjour tout le monde. Mesdames, messieurs, nous reprenons la répétition. Cela fait 3 ans que le metteur en scène Richard Brunel a les Noces de Figaro dans la tête et plusieurs mois qu'il y travaille d'arrache-pied. Désormais, il faut adopter la scène. Pour un premier filage, je dois dire que c'est assez dense, assez homogène, assez vivant. Ils ont du ressort dramatique. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues, qui fonctionnent. Et puis, j'ai certains éléments de la vraisemblance, de la qualité des détails qu'il faut que j'affine avec les chanteurs. Voilà. Là, j'ai encore un ajustement entre cet espace qui est nouveau pour nous et puis la salle de répétition dans laquelle j'étais encore avant-hier. Les chanteurs ne sont pas encore en costume, l'orchestre n'est pas arrivé, on est à la veille d'une générale piano. Les chanteurs doivent trouver leur place dans le décor, car les rôles de Mozart ne se chantent pas seulement, ils se jouent. La partie jouée, c'est la plus intéressante, c'est ce qui donne corps à la musique, c'est être en symbiose avec la voix, la parole, le mot, la prosodie, c'est essentiel. Mozart est une sorte d'avant-gardiste sur ce terrain-là parce que tous les opéras de Mozart sont basés sur une théâtralité qui est hors du commun et qui est intemporelle, voilà, qui traverse les siècles. Parce qu'après, quand le cœur arrive, c'est ouvert. C'est aussi la raison pour laquelle Richard Brunel a choisi une mise en scène inspirée des mouvements de caméra. Il y a beaucoup de mouvements et c'est presque comme dans un film. Comme si la caméra suivait le couple qui pénètre dans la maison, puis dans une pièce et dans une autre. Ici, c'est le public qui est le cadreur. Et le décor est en mouvement, actionné par les techniciens du plateau. J'aurais bien aimé voir ça de la salle.
où on se cache, comment on observe, qui est espionné, qui voit, qui ne voit pas. Voilà, il y a des contraintes dans le texte, il faut à la fois rendre ces contraintes et en même temps en jouer. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est comment cette maison, qui pouvait être extrêmement... on pouvait être à l'intérieur, un univers extrêmement clos, peu à peu s'ouvre, les murs se dilatent et les repères se perdent. Et on arrive au quatrième acte, dans un espace totalement éclaté, où on ne sait plus qui est qui, puisqu'en plus, la comtesse et Suzanne échangent leurs costumes, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est le travail donc, de ce décor qui est mouvant avec la spatialité de l'extérieur. On a des murs qui permettent de refléter aussi la voix. Si je vous parle d'un point de vue technique, on pulse de l'air. Le son, c'est de l'air qui se mélange à cet air, à ce théâtre qui est complètement ouvert. C'est assez impressionnant. Il faut savoir trouver ses points de repère dans la mémoire, comment construire son son, comment le faire rebondir pour qu'il y ait une véritable forme. On enchaîne. À ce stade, les chanteurs connaissent leur partition sur le bout de leur voix. Bien au-delà de la technique vocale, ils cherchent à s'imprégner des directions artistiques. Tout peut arriver. Nous, les chanteurs d'opéra, on n'a pas de prompteur. Et on est toujours dans l'anticipation. C'est-à-dire qu'on parle, on chante, mais le cerveau, il est déjà deux mesures plus loin. Mais le corps aussi, il doit prendre le temps. Ensuite, il y a tout le passage avec les collègues, le metteur en scène. Primordial, le metteur en scène et le chef d'orchestre qui travaillent ensemble. En parfaite harmonie, parce que Richard comprend le théâtre qui est dans la musique. Et sa préoccupation, c'est de rendre l'architecture théâtrale la plus claire possible et justement de dégager les différents plans musicaux. C'est quelque chose de merveilleux pour moi de pouvoir travailler avec Richard et d'obtenir ce genre de cadeau. Merci. Non, en même temps, c'est très important pour un metteur en scène d'entendre effectivement comment la musique est construite. Et tout de suite après, le comte ouvre la porte et vient les récupérer là. On va essayer ça. Et pour ne rien négliger, les deux hommes s'appuient sur une équipe tout aussi passionnée et attentive qu'eux. Nathalie Murray assiste Jérémy Rohrer dans un travail d'orfèvrerie musicale et vocale. Je prends des notes pour lui qu'il transmettra au chanteur. Les traits de caractère sont essentiels. Et chaque personnage est différent, mais ils doivent parfois chanter d'une seule voix. Nous cherchons également à atteindre le tempo juste pour que tout paraisse naturel. Finalement, toutes les répétitions sont importantes, jusqu'à la dernière. Un souci du détail bientôt accentué par l'orchestre qui donnera une autre résonance au théâtre de l'Archevêché. Pour l'heure, la répétition va durer jusque tard dans la nuit, sous les étoiles. Et parmi elles, pour Patricia Petitbon, une étoile nommée Mozart. Je crois que c'est surtout son charisme qui est toujours parmi nous, quoi. Son œuvre, son art, son humanité, sa frivolité, son humour. Et c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas penser à Mozart lorsqu'on monte sur scène. En tout cas, pour moi, c'est un rituel. Donc, j'espère qu'il sera à côté de moi. Eh bien voilà, Patricia Petitbon, on vient de l'apprendre, est en communication directe avec Mozart. Donc nous, de notre côté ici, dans le théâtre de l'Archevêché, en direct sur Arte, on va essayer de surprendre le fantôme de Mozart. Donc le troisième acte va commencer dans moins de 3 minutes. Le cercle de l'harmonie est en place. Le temps pour nous de voir un petit résumé du premier et du deuxième acte pour tout simplement se replonger dans l'action. À tout de suite. En plein préparatif de mariage avec Suzanne, servante de la comtesse, Figaro, valet de chambre du comte, apprend que ce dernier a dévisé sur sa fiancée. Les deux jeunes servants vont donc devoir redoubler de stratégie pour prendre le comte à son propre jeu de libertinage. De son côté, le jeune page Chérubin, en plein émoi adolescent, se retrouve au bon milieu de toutes les intrigues et va être utilisé, malgré lui, pour confondre et contrecarrer les plans du comte. La comtesse, quant à elle, est spectatrice des infidélités de son mari. Elle va pourtant prendre part au jeu en devenant la complice idéale de Suzanne. Tout le dispositif comique est alors en place pour attiser les soupçons du comte sur l'infidélité supposée de sa femme et, dans le même temps, l'encercler
de manière à faire tomber le masque du mari exemplaire, qu'il n'est pas du tout. Avant de célébrer leurs noces, Suzanne et Figaro doivent donc en passer par cette folle journée et, quitte à jouer, jouer avec le feu. Le comte saura-t-il recouvrer la raison et se repentir? La comtesse saura-t-elle pardonner? La réponse dans le dénouement. Eh bien oui, tout ce méli-mélo est finalement orchestré, vous l'avez vu dans la première partie, par deux femmes que sont Suzanne et la comtesse, que vous allez voir tout de suite au début du troisième acte. Mais pourquoi font-elles cela? Eh bien tout simplement pour dénoncer les abus de pouvoir de la gente masculine. Et c'est pour cela que Patricia Petitbon me disait en aparté que pour elle, Mozart est le premier compositeur féministe de l'histoire de l'opéra et qui compose ses rôles amples pour des personnages féminins qui dénoncent le pouvoir masculin. Alors, retour en direct sur Arte depuis Aix-en-Provence au début du troisième acte de ces noces de Figaro. Alors, vous allez le voir, pendant les confessions du comte, qui est un peu barbouillé, qui a plein d'idées, eh bien, Suzanne et la comtesse vont se retrouver pour préparer un stratagème pour faire que le comte rachète sa liberté à Figaro, à Marceline, parce qu'en fait, Figaro est lié à Marceline. C'est le moment justement où le masque tombe et vous allez voir un superbe duo d'amour, d'ailleurs le seul, entre le comte et Suzanne. Et à ce moment-là, on se dit que Suzanne n'est finalement pas si insensible aux avances et aux charmes du comte. C'est toute la subtilité psychologique mozartienne. Tout le monde est plaît, le cercle de l'harmonie dans la fosse, le corps des arts florissants sur la scène. Jérémy Rohrer, la mise en scène est de Richard Brunel. C'est une folle journée et peut-être aussi une folle soirée sur Arte. Alors, très très bonne continuation en direct d'Aix-en-Provence. On se retrouve après les noces et j'espère que, en tout cas, le dénouement sera heureux. Je vous le disais, la situation va évoluer. Troisième et quatrième acte, vous allez le voir, ce que nous disait Kyle Kettelsen, eh bien, son personnage est un peu tombe dans le syndrome de l'arroseur arrosé, parce qu'il était très sûr au début de la première partie, sûr de lui, sûr de sa fidélité, et sûr de la fidélité de Suzanne. Mais Suzanne est un personnage qui est très ambigu, peut-être le plus important des noces de Figaro, personnage féminin, et vous allez voir Kyle Kettelsen, le Figaro américain de cette production, eh bien, va progressivement être pris au piège de son propre jeu. C'est le syndrome, je vous le disais, de l'arroseur arrosé, tandis que le comte, eh bien, on espère, va peut-être se repentir de son libertinage un petit peu excessif. Très très bonne continuation de soirée sur Arte. À tout à l'heure pour la fin.